tout le monde. Aujourd'hui, samedi, le programme du jour. Nous allons au salon de l'auto ancienne et de la miniature. Donc, pour cela, il y a Jérémy et son père qui vont nous rejoindre. Donc, là, il est 9h. Ils vont pas tarder à passer pour prendre le café et ensuite, on s'y rend avec bébé. Donc là, je finis de me préparer. Il y a bébé qui est en train de dormir, enfin qui était en train de dormir et qui va bientôt se réveiller. Donc il y aura une partie du salon de la miniature ce matin et l'auto ancienne, ce sera pour cet après-midi. Et en fin de journée, on va s'occuper de chercher les cadeaux. Voilà, chercher les cadeaux. Pour l'heure, eh ben, on va se préparer tranquillement. Et puis voilà, je vais être assez occupée pour cette fin de matinée. Donc je vous retrouve plus tard. Bien sûr, les voitures. Hein? Oui, oui. Ouais. C'est vraiment gentil, mais. Ouais. Nous, on est chiants là-dedans, c'est bien. Il y a deux trois qui m'intéressent. Coucou toi. We'll be right back.
Bois du Gau ? Ouais. Donc voilà, on est rentré des courses avec mon chéri et bébé que j'ai mis au lit. Il n'est pas tout à fait endormi, mais voilà, je pense que ça ne saurait tarder. En tout cas, bébé, il est claqué. On a une bonne grosse journée aujourd'hui. Voilà, donc en course, on a trouvé presque tout ce qu'on cherchait. Du coup, ce vlog-là, vous l'aurez sûrement en retard parce que la semaine prochaine, j'ai pas mal de choses à faire, de papiers à remplir. J'ai plein de choses à faire, donc du coup, je sais pas quand est-ce que je posterai le vlog, mais j'essaierai de le poster dès que possible. Voilà. En attendant, cette virée au salon auto-rétro était super sympa. J'aime bien revoir des vieilles voitures, voilà, c'est les vieilles formes dans le temps, c'est pas les voitures formatées comme aujourd'hui qui se ressemblent presque toutes, etc. Donc voilà, j'espère que cette visite au salon de l'auto rétro vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit commentaire, ou voilà. Merci de votre visite et je vous dis à très très bientôt. Pour l'instant, je suis très très fatiguée, donc je vous laisse ici. Ciao !